Mon propos ici, c'est de vous faire comprendre que si les gens vous disent que vous avez quelque chose, c'est que vous l'avez. Il n'en tient qu'à vous de prendre la responsabilité et le courage de pouvoir épurer ce talent-là pour l'ériger au rang de compétence. Là, tout de suite, comme je vous ai dit en amont, les gens ne se rappelleront pas de ce que vous leur avez laissé, mais de ce qu'ils sont devenus grâce à vous. C'est fondamental de garder ça à l'esprit. Et comme je vous ai dit, nous sommes là pour écrire, pour impacter. Donnant la continuité, ça va être très rapide. Je vais partager avec vous 5 raisons de devenir vous aussi à votre tour des auteurs. Parce que tout le monde peut le faire. On a tous au moins 1 ou 2 livres dans nos têtes. Mais très souvent, il y a des petits blocages, soit c'est le sorcier du village, ça c'est la grammaire. Et je crois qu'ils ont plus là, parce que même l'Ukraine là et le Covid, ça a fini avec eux. L'inspiration. Je pense que j'ai longtemps épilogué là-dessus, donc je ne vais pas prendre plus de temps. Deuxième point, c'est la crédibilité et la notoriété. Parce que lorsque vous écrivez un livre, votre valeur perçue change. Votre valeur marchande augmente. Vous êtes tout de suite perçu comme étant un expert dans votre secteur d'activité. Et les gens aiment avoir affaire aux experts. Et lorsque vous êtes perçu comme un expert, même vos tarifications changent et les gens payent. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas de problème pour payer. Mais pour payer, il faut qu'ils aient confiance en votre capacité à pouvoir souscrire à votre produit ou votre service. Et le fait qu'on vous cite Arnold Minot, immobilier sans crédit, au bout d'un moment, vous allez dire, mais ce gars, c'est comment? Et j'ai envie de vous dire que parmi mes livres, il y a des gens avec qui, parce que pour les entrepreneurs, par exemple, j'ai eu des clients qui ont lu un de mes livres et quand ils sont venus, notre échange n'a pas duré plus de 30 minutes. Ils ont payé 4000 euros. Oui, ça c'est la puissance d'un livre. Le passeport. Votre livre, c'est un passeport. Parce que lorsque j'ai écrit mon livre, un pied à l'école, un pied dans le business, avant ça, je n'avais jamais été invité à un événement business. On disait que celui qui fait les vidéos sur Internet, là, ok. Les Africains aiment le concret. Et quand vous parlez seulement sur Internet, ce n'est pas concret. Lorsque j'ai fini d'écrire mon livre, tout de suite, j'ai été invité par la CRTV au Cameroun. Après, j'ai été invité à donner une conférence. C'était ma première conférence que je donne en 4 ans au Gabon, logé, nourri, blanchi. On m'a invité au Gabon. J'allais donner ma conférence là-bas. Alors qu'avant, je faisais seulement mes choses sur Internet. Ah, c'est parce que j'ai écrit mon livre. Et récemment encore, j'étais au Gabon. Et désormais, je suis à 1 numéro de téléphone du président de la République gabonaise. À 1 numéro de téléphone. C'était grâce à mon livre. En fait, je ne sais pas, c'est Josué qui le disait. Lorsque vous écrivez un livre, vous vous dupliquez. Même si vous n'êtes pas présent, on parle de vous. C'est aussi un moyen de répandre votre vision. Et je dis toujours que la majorité des gars avec qui je travaille, ce n'est pas moi qui suis allé les chercher. C'est eux qui sont venus vers moi. Le livre a fait le travail pour moi. Wesley aussi, il en parlait tout à l'heure. Dans le livre, c'est très puissant. Très, très puissant. Beaucoup prennent un livre, ils se disent, bon, on lit pour se distraire. Moi, j'estime que lorsque l'on est dans une communauté où les gens ont du mal à manger, c'est interdit de se distraire. C'est interdit. Si on se distrait, c'est trop grave. Voilà pourquoi on a dit écrit pour impacter. On n'a pas dit écrit pour rêver. Écrit pour impacter, pour transformer des vies. C'est une fois qu'on a gagné l'argent, qu'on a le ventre plein, qu'on peut commencer à rêver. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Le livre, c'est un outil marketing puissant. Je parlais, c'est un peu le complément de la notoriété. Parce que grâce à un livre, avec les stratégies qu'on partage au quotidien, on vous montre comment mettre dans votre livre des tunnels de vente. Et des gens se retrouvent en train d'acheter votre livre. Parfois, ils l'ont même gratuitement. Mais vous vous retrouvez en train de vendre des produits ou des services qui sont beaucoup plus chers. Grâce à un livre, lorsque vous savez comment vous y prendre. Je n'invente rien. Nous aussi, on a appris de certains aînés et on applique et ça fonctionne. C'est ça qu'on partage au cours du programme Plume d'élite. Et la 5e raison, c'est que le livre ramène beaucoup d'argent. Le marché du livre en France en 2021, c'était 4 milliards d'euros.
4 milliards d'euros. Et ce qu'il y a de magique avec un livre, c'est que vous l'écrivez une fois. Après, il travaille tout seul. Vous l'écrivez une seule fois. Des fois, moi, je suis comme ça, on m'appelle, on me dit, OK, Valère, on a vendu 10 exemplaires. Après, tu vas sur le site, tu vois, tu cliques, ah, OK, on a vendu encore aujourd'hui. En fait, c'est une source de revenus passive qui transforme des vies derrière laquelle vous pouvez encore gagner plus d'argent. Et comme ça ne suffisait pas, les marges sur chaque livre sont énormes. C'est énorme. Mais après, ça dépend de la maison d'édition à laquelle vous travaillez. Mais les marges sur un livre sont énormes. Et ça, nous, on ne s'en rend pas compte. Les Américains le savent depuis très longtemps. L'industrie du livre, c'est une grosse industrie aux États-Unis. Et nous, encore une fois de plus, nous, on passe à côté de ce business. Après, on accuse le président. Est-ce qu'il nous a empêché d'écrire pour partager notre expérience? Non. On se dit, on dit qu'il n'y a pas les bibliothèques parce qu'on n'écrit pas. On dit qu'il n'y a pas les bibliothèques, c'est bien. Mais en fait, moi, je suis allé à Cultura. Des milliers de livres. Moi, je cherchais les livres de nos frères africains, je n'ai pas trouvé. Quand je vais à Ouagadougou, il y a un monsieur qui vendait des livres à l'étalage. Il avait tous les livres, sauf vos livres. Et pour moi, ce n'était pas normal. Parce que même là, on n'existe pas. Nous sommes allés à l'école. Beaucoup parmi nous ont des expériences très brillantes qui n'ont rien à envier à celles de Jeff Bezos, Will Smith et j'en passe. Mais nous, on dit qu'on est mature. On ne veut pas que les sorciers du village... Et vous avez dit que bon, si vous aviez peur des sorciers du village avant, ça y est que c'est fini, Corona a fini avec eux. Ils ne sont plus là. Donc voilà, ça pour moi, ce sont les 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument écrire. Absolument. Et en général, vous le savez, plus ou moins, mais il y a quand même 4 blocages qui subsistent. J'en sais quelque chose parce que, après avoir accompagné plus de 88 auteurs, on en a eu un peu l'habitude. Et le premier blocage, c'est le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je? Qui suis-je moi pour écrire un livre? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? Parce que les gens ne voient pas ce qui n'existe pas. Je vais raconter une petite histoire. Une fois, il y a un concours d'art oratoire au sein de l'association des étudiants camerounais de Marseille. Nous sommes tous des étudiants. Moi, très souvent, je ne suis même pas présent. Mais la veille, la présidente m'appelle. Elle me dit, Valérie, il y a un concours d'art oratoire et il faut que ce soit toi qui nous représente. Je dis, comment ça? À la veille. Je dis, qu'est-ce que je vais aller raconter? Et là, j'appelle ma copine, je lui dis, on me propose un truc comme ci, comme ça. Moi, vraiment, moi, je ne me sentais pas. Elle me dit, qu'est-ce que tu as à perdre? Et puis, si c'est toi qu'ils ont choisi, ce n'est pas un hasard. C'est que peut-être ils ont vu quelque chose en toi que toi-même, tu ne vois pas. Elle me dit, vas-y, au pire, tu vas apprendre. Et j'y vais, je gagne le concours d'art oratoire. Mon propos ici, c'est de vous faire comprendre que si les gens vous disent que vous avez quelque chose, c'est que vous l'avez. Il n'en tient qu'à vous de prendre la responsabilité et le courage de pouvoir épurer ce talent-là pour l'ériger au rang de compétence.